Aujourd'hui, on va avoir une variation d'un tour de Cinder. Donc, j'ai préparé 4 cartes à l'avance, on y reviendra très vite. Je tends le jeu au spectateur pour qu'il le mélange, d'accord? Et ensuite, je l'invite à choisir une carte et à me dire stop lorsqu'il le souhaite. C'est parti. Stop ici, admettons, je montre la carte, je ne la reverrai pas, promis. Et je lui demande de la mémoriser parce qu'il va rester dans le milieu du jeu comme ceci. Une fois que ça c'est fait, on revient ici à nos 4 cartes. Ces 4 cartes en fait, ce sont des cartes assistantes qui vont me servir à retrouver votre carte. Il s'agit des 4 as, d'accord? Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc ces 4 as vont m'aider à retrouver votre carte ou du moins me donner des indications. Pour ça, j'ai besoin de les disposer comme ceci, en escalier. Voilà. Voilà. Et donc regardez bien ce qui va se passer. Il y a une carte qui va m'indiquer quelle est votre sélection. Donc c'est parti, 3, 1, 2, 3. Et là on voit une carte s'est retournée. Et il s'agit de l'As de cœur. Donc ça m'indique tout simplement que votre carte est une carte à cœur. Mais si c'est une carte à cœur, ça veut dire que peut-être dans le milieu du jeu, quelque part, votre sélection s'est retournée également. Les deux cartes sont connectées. Et là on voit qu'effectivement, il y a une carte qui s'est retournée, votre sélection. Donc on va de suite révéler votre sélection. Et il s'agit en fait de l'As de cœur. Non, pas de l'As de cœur. En fait, l'As de cœur a fait mieux que m'indiquer votre sélection. Il a carrément échangé de place avec elle, puisqu'ici, à sa place, se trouve le 2 de cœur, votre sélection. Voilà pour ce tour génial d'Of Cinder. J'espère qu'il vous a plu. À bientôt. Voilà, c'était donc la démo de Of Cinder 2. J'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui, donc, je vais vous expliquer ce tour qui est issu de ce bouquin, d'accord, qui s'appelle Altitude, par Stéphane Chenevière, magicien français, ici. Voilà, donc qui s'inspire donc d'Of Cinder pour ce tour et qui se trouve à la page 39 de ce livre, d'accord. Voilà le titre du tour. Donc dans ce tour, on va voir un petit peu comment moi je le réalise, en fait, parce que sans dire que je fais différemment de lui, en fin de compte, lui, il laisse beaucoup de liberté sur les techniques, on va dire, à utiliser. Dans ma version, par exemple, j'utilise un saut de coupe particulier. J'utilise aussi un contrôle particulier. Il ne précise pas quel contrôle faire, en fait. Il dit de contrôler la sélection, tout ça, mais il n'explique pas comment. Et c'est un peu chacun fait comme il a envie, en fonction de ses préférences et de la configuration. C'est pour ça que je me permets d'expliquer ce tour, parce qu'au final, j'ai été contraint de l'adapter à ma sauce, finalement. Alors, pour ce tour, config très simple, on place juste nos 4 as sur le jeu. Et tout le reste, c'est un jeu absolument normal, voilà, pas préparé, que dalle. Il n'y a rien de tout ça. Donc, juste les 4 as qu'on laisse sur le dessus du jeu, c'est pas un secret, hein, d'accord. Et donc, on commence le tour en expliquant qu'on a préparé des cartes au préalable. On sort les 4 as et on les met à part. Ensuite, le magicien ou le spectateur peuvent mélanger le jeu, hein. Finalement, c'est un tour impromptu à partir du moment où on enlève les as. Donc, on mélange. Voilà, autant de fois que le spectateur le veut. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais mon dernier tuto concernait un contrôle, qui était donc le Cardini Dribble Control. D'accord ? Mais en fait, c'est exactement ce contrôle que j'ai utilisé pour ce tour. Je vous avais dit que je vous proposerais un tour avec ce contrôle. Donc, le Cardini Control, pour rappel, c'est ça, je fais choisir une carte au spectateur et sans la regarder, hop, je la contrôle comme ça sur le dessus du jeu. Je vous mets le lien vers la vidéo, mais grosso modo, on fait choisir la carte, on la montre et sous couvert de revenir avec la main pour redribler les cartes, on effectue un Cardini, on replace les cartes et on relâche le tout. Et je vous avais expliqué que cette méthode permettait aussi de faire un pic, c'est-à-dire de connaître l'identité de la carte. Et en fait, pour ce tour, c'est primordial de connaître l'identité de la carte à ce moment-là, car on en a besoin pour savoir comment on va placer nos as. Parce que comme vous vous souvenez, dans la démo, c'est l'as qui est en rapport avec la sélection qui s'est retournée. Et ça, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a pu prendre cette information de la carte choisie. Donc, le pic, tout simplement, hein, il se fait tout seul en fait. Là, on ne regarde pas la carte, je ne regarde pas ce que c'est. Et au moment de faire le contrôle, ben en fait, on voit la carte ici. Si on couvre bien, on a le temps de voir la carte. Et donc, ce qui nous intéresse dans cette manipulation, c'est pas tant de connaître exactement la sélection, c'est plutôt de connaître sa famille. D'accord ?
Est-ce qu'il s'agit de cœur, de trèfle, carreau ou pique? C'est ça qui nous importe. Donc en fait, même quand on fait choisir comme ceci, qu'on ne rate pas, et que ça va hyper vite, hop, pour contrôler, généralement avec l'habitude, bon, on arrive facilement à reconnaître le symbole. Donc ici, ce qu'on va faire, on va prendre une sélection. Je la montre, on a du pique, d'accord, dame de pique. Ça, on ne le sait pas. On effectue notre pique et contrôle en même temps, comme ceci. Donc là, on voit que c'est la dame de pique. On referme par-dessus, comme ça, on contrôle. On a nos as qui sont comme ça. Donc on attire l'attention du spectateur sur les as, et pendant ce temps-là, on va prendre un break de deux cartes. Alors moi, j'ai utilisé un pinky count sur la vidéo, donc pinky count. Tiens, le jeu comme ça, moi, je le bombe un petit peu. Et je relâche une, deux cartes, comme ça. Je maintiens le break comme ça, discrètement. Ça, je le fais pendant que j'attire l'attention sur les quatre cartes ici. Et bon, si on est un peu debout, on peut avoir la main le long du corps. Ou alors juste comme ça, voilà, poignet cassé. Et là, vu qu'on sait que la carte du spectateur, c'est du pique, ce qui va nous intéresser, c'est de placer l'as de pique à une certaine position. Donc, on retourne les cartes ici, on les voit. Et ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir besoin de placer notre as de pique en troisième position. Donc, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, on voit que l'as de pique est ici. Et bien, c'est parfait. On fait comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, juste pour montrer les quatre as. Par exemple, si le pique est en dernière position, on peut très bien faire comme ça, cœur, trèfle, pique, carreau. Vous voyez, vous le placez comme vous voulez, mais il faut qu'il soit en deuxième position en partant du dessus. D'accord? Et en troisième position à partir du moment où on commence à placer les as. C'est-à-dire que c'est la troisième carte qu'on pose sur le jeu. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Donc deuxième position depuis le dessus. À partir de là, on égalise avec notre break ici. Ça fait qu'on a six cartes ici. Ces six cartes, on les saisit en middle, comme ça. Là, on a une carte lambda et la sélection qui se trouve dessous, d'accord? Et il va falloir les positionner d'une certaine façon. Et là, c'est assez précis par contre. On va commencer à peu près comme ça, d'accord? Pour l'as de carreau. Donc on le tire. Et l'as de pique, il va falloir le placer au-dessus comme ça en décalé, mais qui dépasse juste un petit peu, vous voyez? Genre de comme ça. À peu près, c'est pas une science exacte, mais il faut qu'il dépasse un petit peu comme ça. Et après, pour les deux derniers as, le problème, c'est que ben, si on tire comme ça, ça va pas aller. Donc, il faut poser à peu près équilibré comme ça. Et là, deux options. Donc, soit vous arrivez à pousser le dernier as comme ceci, avec votre index. Soit vous faites comme moi dans la vidéo. Vous pelez légèrement la première carte ici, discrètement, et vous la tirez comme ça. Non, parce que sous l'as de cœur se trouvent donc les deux cartes sur lesquelles on avait pris un break au départ, donc à savoir une carte quelconque et la sélection. Et en fait, suite à la manip, ces deux cartes vont glisser par-dessus l'as de pique qui se retrouve donc au bon endroit de par le placement qu'on lui a attribué au moment de montrer les as. Donc, pour ceci, tout se passe derrière. Derrière, on se retrouve avec ces cartes ici. On a trois cartes. Ce qu'il faut arriver à faire en mettant une pression comme ça avec le pouce et les autres doigts sur le jeu vers le bas, c'est d'arriver à créer un petit interstice ici qui fait qu'on va pouvoir avec notre index attraper ces deux dernières cartes, d'accord? Celle qui est juste en dessous de l'as, faut pas y toucher. Juste celle-ci. Les deux qui sont là, vous voyez, avec l'index. Donc je presse et je tire légèrement comme ça avec mon index. Et ensuite, dans la position dans laquelle on est là, tout ce qui va se passer, c'est qu'on va appuyer et que ça va donc égaliser cet ensemble de cartes par-dessus l'as de pique, ce qui peut nous permettre de faire croire que l'as de pique s'est retourné. Donc par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est comme ça, un premier passage et revenir ici, comme ça. D'accord? Donc là, soi-disant, l'as de pique s'est retourné. À partir de là, vous sortez le premier as comme ça, le deuxième. Le troisième ici, en faisant attention de ne pas tirer trop fort pour pas faire justement revenir l'as qui est dessous. D'accord? Donc là, on y va tranquille, quitte à mettre un peu son doigt ici pour bloquer. Hop. Et du coup, cette carte qu'on place au milieu des autres as en faisant croire que c'est l'as. En fin de compte, c'est la sélection. Donc, une fois qu'on a retiré les quatre as, soi-disant, ici, on a donc la sélection. D'accord? Mais le spectateur, lui, à ce moment-là, pense que c'est l'as de pique qui s'est retourné. Et ici, on a une carte quelconque et notre as
qui est retourné, d'accord? Donc là, il faut faire attention. Donc pendant qu'on parle, on va donc prendre avec notre petit doigt un break environ à la moitié du jeu, comme ça, très aléatoirement, d'accord? Et au moment de dire qu'on va vérifier si la carte du spectateur ne s'est pas retournée, on va simuler le fait de retourner le jeu pour garder du suspense. Sauf que ce retournement va nous servir à effectuer un turnover pass, justement, qui est le saut de coupe au retournement. Donc le turnover pass, à ce moment-là, au moment de retourner le jeu, dans une seule action, j'effectue le turnover pass comme ceci et j'étale les cartes pour révéler qu'une autre carte s'est retournée et se trouve au milieu. Et là, en fait, il s'agit de l'as. Donc ce turnover pass nous permet de replacer l'as de pique au milieu du jeu, parce que je vous rappelle qu'au moment de faire choisir la carte, pour le spectateur, sa sélection venait du milieu du jeu et y est restée. Donc pour que ce soit cohérent, il faut qu'on arrive à replacer cet as au milieu du jeu. L'avantage de faire ce tour en live, c'est que vous pouvez facilement faire un saut de coupe, une coupe avec de la mise direction et complètement à l'arrache sans que les spectateurs aient beaucoup de chance de s'en apercevoir. Bon là en vidéo, pour le coup, j'ai essayé de faire un truc assez clean, donc je me suis tourné vers le turnover pass. Donc pour le turnover pass, j'ai déjà fait un tuto, donc je mettrai le lien à ce moment-là dans la vidéo. Donc pour la préparation du contrôle retournement ou turnover pass, pendant que je m'adresse au spectateur, le long de mon corps par exemple, je vais juste un petit peu tendre le jeu vers le bas et prendre un break au feeling vers à peu près la moitié du jeu, comme ceci. Et quand je reviens ici, je vais l'expliquer qu'on va regarder si sa carte s'est également retournée. Et je vais effectuer mon turnover pass, comme ceci, hop. Et ensuite, étaler les cartes tranquillement et lui faire constater qu'effectivement, une carte s'est retournée. Donc à partir de là, il n'y a plus qu'à raconter un petit peu ce qui s'est passé, jouer le jeu, dire voilà, l'as de pique ici est du coup connecté avec votre carte, ça veut dire que votre carte est une carte à pique. Et là donc, tout ce que vous avez à faire, c'est retourner le jeu comme ceci. Et là, boum, as de pique, incroyable. En fait, les deux cartes ont voyagé. Et ici, au milieu, se trouve la sélection, la dame de pique. Donc voilà en gros ce tour. Donc on va faire un petit récap. Donc, on commence le tour, on sort 4 cartes hein, au préalable. On peut dire que c'est les cartes qu'on a préparées exprès pour le tour. Ensuite, on peut mélanger ou faire mélanger le jeu au spectateur. Boum. On lui fait choisir une carte. Il dit stop, on ne regarde pas. On montre la carte ici, on l'explique qu'on laisse bien au milieu. Et sous couvert de redribler les cartes par-dessus, on effectue notre Cardini Dribble Control qui nous permet de voir que la carte est du carte à carreau. Hop, du coup elle est contrôlée sur le dessus du jeu, nickel. On attire l'attention sur les cartes ici, on peut même les lui donner s'il a envie de regarder. Pendant ce temps-là, avec un petit pinky count, on prend un break sur 2 cartes, comme ceci. Donc 2 cartes qui sont la sélection sur le dessus et une carte quelconque dessous. Voilà. On sait que la carte est du carreau, donc on sait qu'on doit placer notre as de carreau en troisième position en distribuant les cartes comme ceci, d'accord, pour les montrer. Donc on peut faire comme ceci, là on voit qu'il est tout en haut, mais c'est pas grave, on dit on a l'as de pique, l'as de trèfle, l'as de carreau, l'as de cœur, voilà. Au moment d'égaliser, comme ceci, on explique qu'on place les cartes en escalier et que les as vont nous aider à retrouver la carte du spectateur. Je vous rappelle que l'as correspondant à la sélection doit être placé légèrement décalé par rapport au dessus du jeu, d'accord? Donc il faut qu'il dépasse un petit peu comme ça, et qu'ensuite l'ensemble doit être posé à peu près à distance équivalente comme ceci, et qu'on doit se débrouiller pour ne décaler que l'as du dessus afin de ne pas révéler la préparation. Donc, moi je fais comme ça dans ma vidéo. Voilà, on montre bien les 4 as ici. Une fois qu'on montre les cartes comme ceci, on en profite pour récupérer une mini brisure ici sur les 2 dernières cartes, d'accord? Qu'on sépare donc de la dernière qui est collée à la carte du dessus là. Vous voyez la différence? Et après, on peut expliquer que les as vont nous aider. Passer notre main ici. Et pendant que notre main est en bas et commence à remonter, on appuie dessous comme ça afin de faire glisser l'ensemble par-dessus l'as qui correspond à la famille de la sélection. Donc ici en l'occurrence l'as de carreau. En fait, l'as qui va correspondre, que vous allez placer, se trouvera toujours ici. D'accord? Peu importe, c'est à vous de le placer comme il faut. Ensuite,
vous pouvez expliquer donc un as s'est retourné, ça m'indiquerait que votre sélection est du carreau. Là, en retirant le dernier as, faire attention parce qu'ici on a la sélection, une carte quelconque et l'as qui est censé s'être retourné. Donc là, il faut faire très attention. On a trois cartes par-dessus, mais en fait, en mettant un peu le pouce ici, comme ça, juste histoire de retenir, on enlève très normalement. Et là, attention aussi en poussant, pour poser donc le soi-disant as de carreau qui est en fait la sélection, attention de ne pas pousser de trop, comme ça, pour qu'on voit l'as en dessous. Et donc, on pose ici, boum boum. Et ensuite, on prend donc notre break à peu près à la moitié, comme ça. On effectue notre tour dans leur passe et on n'a plus qu'à étaler les cartes, révéler que ici une carte s'est retournée et que c'est en fait l'as de carreau car la sélection a changé de place avec l'as de carreau.